C'est un moment de partage. C'était vraiment formidable. Il y avait vraiment la présence du Saint-Esprit et c'est beau de voir en fait les chrétiens, enfin les jeunes chrétiens se réunir entre eux et bah, venir adorer le Seigneur en fait. La prière, ça fait partie de la vie chrétienne déjà. Car la Bible, elle nous dit de prier sans cesse. Prier, c'est pas seulement à l'église, mais c'est partout, à la maison, à l'école, au travail. Par rapport à ce que nous avons écouté, nous sommes des jeunes que Dieu est en train de susciter partout, non seulement en France, mais dans le monde entier. La Bible dit que dans le livre des Joël, dans les derniers temps, Dieu va répondre son esprit et nous serons des témoins, pas seulement pour aller prophétiser à l'église, mais l'esprit de Dieu nous permet aussi de nous distinguer au travail, dans la politique, à l'école, dans le sport. Et c'est vraiment encourager toutes les jeunes de venir en Christ. Ça m'a permis de revoir ma position par rapport à ce que je fais et par rapport à ce que Dieu fait dans ma vie et ce que Dieu veut dans ma vie. Et je pense que pour exceller durant toute cette année, pour atteindre les objectifs que chacun de nous a eu à se poser, il faut commencer par la prière. Parce que je pense qu'en commençant par la prière, nous activons toutes ces choses-là que le Seigneur il avait mises en nous, nous nous reboostons. Et surtout le fait de nous retrouver tous ensemble, c'est un symbole d'unité. Et je crois que voilà, nous avons reçu un message très poignant. Nous sommes restés dans la prière. Et franchement, c'était un moment, je pense qu'au sortir de ce moment-là, j'ai vraiment été béni et beaucoup de personnes seront bénies.